6%. Bah, j'ai pas la clé, donc on va tenter. Ah, bah j'aurais pas dû. Eh ben, on va devoir prendre la Melio, parce qu'on va devoir virer la carte pourrie qu'on a chopée. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as donné des trucs pas intéressants, très bien. Aller chercher le Divine Power. Je l'ai pas eu. C'est la déception. J'ai un Bane, mais j'ai pas beaucoup de poison. Enfin si, sur lui, mais c'est un peu du gâchis, il meurt après. Donc, ça me donne pas trop envie. On va taper le mec au fond. Jouer mon Serrated Edge. Ah, s'il vous plaît. Ah ben heureusement qu'il va crever, hein. Pouvoir tel le phénix, si un accident m'arrive, j'aurai une train de mes cendres. Tel Iki. Bah, la pouvoir, les phénix. Non, je fais très mal Iki. J'ai connu les combats qui se passaient mieux que ça quand même. Ah ben voilà, voilà, tel le phénix qui est revenu à la vie. Eh ben je suis content de l'avoir eu, hein, parce que sinon j'étais pas bien. Quoi? C'est quoi qui me tue? Excusez-moi, c'est quoi qui me tue? Oh! Oh, c'est tellement débile! Donc en gros,
comment je suis mort, hein? Très simple. J'ai lancé mon sort qui me fait piocher une carte. J'ai pioché une carte. C'était une des merdes qui m'ont mis dans mon deck. Qui a tapé mon rogue. Sauf que mon rogue, il esquive. Et quand mon rogue, il esquive, ben, il remet 25 points de dégâts au mec qui l'a tapé. Sauf que ça marche sur tes alliés. Oh, c'est con. C'est tellement con. J'ai pas envie de me retaper tout le combat juste pour ça, quoi. Ah, ça me... Ça me fatigue, hein. On va prendre ça, puisque c'est un taunt. Que j'ai besoin de taunt. Bon, bah c'est bien. Des blobs. Je vais prendre un blob élémentaire. Je sais pas ce que c'est. Lava Splash. Eh ben très bien, tu vas prendre ton élémentaire de... Ah! Même pas regarder ce que ça faisait. Ah, j'ai bah, de la merde. De la game over. Ah non, restart, c'est bon. Ouf. Ah, il faut surtout pas que je mette de la pluie où que ce soit en fait. Surtout pas. Surtout pas de pluie quoi. Que la pluie ça annule le ça annule la flotte et c'est la fin du monde là. Est-ce que j'ai un soin? Non. Ah mais ça suffit quand même. Très bien. Non j'ai déjà assez de malheur comme ça. Malheureusement, il va revenir dans ma main. Mais c'est pas grave, parce que j'arrive à le jouer. C'est parfait. Et on va tenter de tabasser comme il se veut. Ah.
prochain tour j'aurai de l'armure sur mon prêtre. Espérant qu'il ne crève pas d'ici là. Ça c'est quoi ça? D'accord. Et ça, ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Qui a le plus de poison de personne? Ah, depuis que j'ai le 5 sur le rogue, j'arrive à jouer toute ma main, quoi. Et je me retrouve même à ne pas pouvoir jouer toute ma main parce que j'ai... Ça change. C'est différent. Je pense que c'était le bon choix. Parce que je pense pas que mon Scorching Ram permettait de tuer qui que ce soit. Je vais pas jouer mon provoque vu que j'ai un seul taunt et qu'il se cumule pas si je dis pas de bêtises. Charges do not stack, c'est ça. Ah là là, l'enfer les dégâts qu'il met. Oh, il a zéro poison lui. Hein. Ah oui, alors ça c'est original. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, j'ai pioché la carte qui fait des dégâts, mais du coup j'ai tapé le mec à côté. Sauf que c'est pas moi qui l'ai tapé, il tape les ennemis. Ok. Très bien. Pourquoi pas, après tout. Je suis pas franchement convaincu, mais. Bon, ça on s'en fout. Hop, on pioche 3 cartes de plus et normalement on le finit. Une bonne victoire. Je pourrais avoir 2 provoques. On va récupérer les HP parce qu'il y en a besoin. Par contre, on va pas l'utiliser tout de suite. On ne va pas l'utiliser tout de suite. On va le faire remonter, mais de toute façon, il redescendra à un moment ou à l'autre.
Je peux ne pas le faire redescendre. Parce que je peux ne pas jouer mon camouflage. Je pense que je vais faire ça. Ça me laisse l'occasion au prochain tour. On vient à la combustion parce que pour l'instant, il n'y a pas de flamme. Je pense que je joue pas mon camouflage. Parce que je me garde le prochain tour pour avoir le... tripler le poison quand j'aurai un peu plus que 26 de poison. Sur un malentendu, il est à 70 et je le triple à 210 et c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc là, faut pas taper le mec devant, faut taper le mec derrière. Oh l'enfer, il fait tellement mal quoi. On va même pas le taper. On va rester comme ça. Ça le passe à 84 x 3. Normalement, il a le même poison à la fin. Et je pense qu'il vaut mieux que je fasse dans ce sens-là. Comme ça. Il est si résistant que ça ou... Ah oui. Il est très résistant à la mêlée. Et je vais pas utiliser mes Viper Sight devant puisque j'ai pas envie de prendre 14 points de dégâts sur tout le monde gratuitement. Bien évidemment, j'ai pas tapé, j'ai tapé en random, donc j'ai pas tapé le bon. Maintenant, il faut taper celui qui est devant.
Parce que celui qui est derrière nous envoie les dégâts. Il nous envoie combien? Ouais, pareil, il nous envoie 14 et il nous met des dots. Par contre, on régène le mec qui a le moins d'HP, mais bon, c'est la vie. Hein. J'ai pas envie de prendre 14 dégâts sur tout le monde, donc on va pas le jouer, on n'est pas pressé. Je crois même que je peux juste passer mon tour et que normalement il crève. Il devrait pas avoir assez de dégâts pour me faire quoi que ce soit. Voilà. On va prendre l'Enrage, c'est gratuit. Du bouclier de l'infini. Oh, oh la vache, oh ça va être une croquette si je prends ça. Mais il va faire tellement mal. Bon allez, on va prendre ça. C'est quoi l'amélio? Est-ce que j'ai mieux que ça? Ça on s'en fout, c'est un truc de barde. Ah non, c'est Highest Cost Card. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça, on s'en fout un peu. J'ai pas trouvé de bonnes armes. Ah, mais non. Mais non. Mais non. Mais oui. Mais oui. Oui, mais il va prendre ça en fait. Ah, problème réglé. Ah, là, moi qui me plaignais que. Qui peut pas jouer beaucoup de cartes. Bah voilà, c'était ça qu'il lui fallait. Ça me slow, mais je m'en fous en fait. Parce que ça me donne tellement de résistance en plus. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, on veut pas changer ton armure, on veut pas changer ton arme. On veut surtout pas changer ton sac qui est trop bien. Et on veut pas changer ton collier. Donc toi tu vas prendre l'arme. C'est
pas super. Mais d'un côté, l'échange est pas super non plus. Bon, allez, on va prendre l'échange. Ça fera du mini dark. Ça sert pas à grand chose, mais